personne ne peut plaire à Dieu si cette personne ne croit pas que Dieu existe. Quand vous vous approchez de Dieu, il faut croire qu'il existe. C'est de cette façon que vous allez recevoir les miracles. Croyez en Dieu, ayez la foi. La parole de Dieu nous dit quoi? Si vous avez une petite foi comme ça, comme un grain de moutarde, vous allez déplacer les montagnes. Je pense que je l'ai bien dit. Une juste petite foi comme ça. Quand vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Même Dieu n'est pas content de vous quand vous n'avez pas la foi. En cette début d'année, je te souhaite d'avoir la foi en tout ce que tu feras. Même dans les moments difficiles, il faut avoir la foi. Parce que, vous savez, quand vous avez la foi, vous êtes en train de donner la gloire à Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu indirectement que Seigneur, je sais que tu vas te lever au dernier jour. La parole de Dieu nous dit quoi? Que mon rédempteur se lèvera au dernier jour. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Habacuc, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Même si ton miracle tarde, aie la foi que ça va s'accomplir. Il faut croire que Dieu, qui est ton Père, malgré que nos pères savent donner du pain à leurs enfants, Dieu dit, moi qui ai le bon Dieu, imaginez ce que je peux vous faire. Dieu dit, je vous donnerai au-delà de ce que vous imaginez. Des fois, la foi peut être comme une folie. Les gens te voient, tu traverses des moments difficiles, tu te dis, mais attends, toi tu souffres. Tu dis, oui, je sais, je souffre. Bon, mon Dieu ne va pas me laisser tomber. C'est en ce moment que vous donnez la gloire à Dieu. Essayez de donner la gloire à Dieu dans toutes les circonstances de vos vies. Tu es malade, ta guérison tarde. Les gens te voient, même tu peux être mourant quand on te demande, mais attends, ça ne va pas, dis-leur que mon Dieu se lèvera au dernier jour. Que Dieu vous donne en ce début d'année le courage d'avoir la foi. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu ne sais pas comment avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et Dieu dit, si vous me demandez la foi au nom de Jésus, je vais vous donner. Si tu manques de foi, il faut demander ça à Dieu et il te donnera. Que Dieu te donne la foi en ce début d'année. Shalom, shalom.